Et salut les athlètes, c'est Jérém de JFIT. On se retrouve aujourd'hui, semi-marathon de Bruges. On vient de finir l'échauffement avec les copains. On est avec Loïc, avec Freddy, avec Jus. Il y a Steph et Camille sur le 10. J'ai croisé Nabil aussi qui sera sur le 10. Donc là, on va se rendre au départ. Et puis, on va faire tenter une seule chose sur cette course, c'est se faire plaisir malgré la chaleur. Il va faire 27-28 degrés très rapidement, même s'il est un peu, même si on est un peu avant 9h. Et l'idée, c'est de faire ma plus longue distance en five fingers. Voilà, en mode minimaliste, en mode orteil indépendant. On se retrouve au départ. Il paraît que c'est parti. Allez, kilomètre 2. Il y a Loïc et Freddy juste derrière. Objectif 1,45 à peu près, donc je reste un peu devant eux. Après, est-ce que je vais accélérer ou pas? Franchement, je sais pas. Donc là on est sur le chemin que je prends à vélo quand je fais une boucle de 25 km. Donc je connais par cœur de chez par cœur. Bon, 3,6 km de course, 4,54 de moyenne. On est bien, il commence à faire chaud déjà. Mais on est très bien. Bon, après presque 7 km, toujours 4,50 du kilo, on a bifurqué pour aller sur la grande boucle. Du coup, on n'est plus avec les coureurs du 10, il n'y a que des coureurs du semi. Ça va aller un peu moins vite du coup. Alors, petit passage à l'ombre, ça va être cool. Ah ouais, ça fait du bien. Il fait tout de suite 7-8 degrés de moins, je pense. Ah, c'est cool. Et sur un deuxième ravito. On va bien s'arrêter pour boire un coup. Allez. Merci. Orange, banane, abricot. Merci. Merci beaucoup. On a une petite banane. Petite faim. Parce que ce matin, j'ai pris un déj très léger, une orange et un café. J'avais pas faim et clairement pour un semi, mais là il y avait des bananes, j'avais envie. Allez, on est reparti. Et voilà, kilomètre 10 en 49 minutes, 0,1. Donc on est toujours pas mal du tout, ma foi. Il fait très chaud, mais on a quelques passages à l'ombre de temps en temps. Mais alors là, on a un kilomètre
en plein soleil. C'est une course très très chouette. Petit passage dans les champs et tout. C'est pas une course pour venir chercher un RP sur semi. On va pas se mentir avec les passages dans les champs et tout. Et là, la chaleur aujourd'hui. Mais c'est un tracé très 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 sympa. Merci. Merci la mairie de Bruges et les associations de running de Bruges aussi. Allez, on continue tranquillement. Il reste la moitié à faire. On longe la réserve naturelle des marais de Bruges. Très très jolie. Sur la piste cyclable. Ravito encore. 12e kilomètre. On va s'arrêter. On va boire. Peut-être manger une petite banane. Merci beaucoup. Et de rien. Merci beaucoup. Merci messieurs dames. Il fait chaud les amis. Il fait très 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 chaud sur le bitume en plein soleil. Allez, petit ravito. Et on repart. Donc on arrive au lac de Bordeaux. On va prendre la passerelle qui passe au-dessus, qui longe la rocade. Ah c'est chouette. En plein soleil par contre. C'est très très chouette. Le meneur d'allure de 1,45 qui est revenu. Du coup il doit être un peu rapide. Mais bon, ça va permettre de terminer en groupe. C'est plutôt cool, je m'ennuie un peu. On a l'aviron. La rocade juste là avec la plage derrière. C'est chouette. Allez, on longe le lac et puis il va rester un peu plus de 5 km pour aller à l'arrivée. Moi, j'ai pas couru plus de 10 bornes depuis le marathon. Ça pique un peu du coup, mais ça va musculairement, ça le fait. Allez, on ressort du lac. Et là, on retourne dans la ville, direction l'arrivée. Il reste 5 km. Je vous entends même pas. Bravo les gars, bravo. Merci. Allez, il reste moins de 3 km. Belle petite bosse là. Si on reste bien à gauche, on est à l'ombre. Mais quand on mesure 1m90, on a la tête qui dépasse. Il fait chaud. Mais c'est bientôt fini. Allez, je suis en compagnie de Fred. Fred qui trouve qu'il fait un peu frais aujourd'hui. Un peu froid, j'ai oublié mon bonnet. Putain, il y a des gants. Bon, t'es comment à moins de 2 km de l'arrivée? Cuit. Cuit? Ouais, je crois qu'on est un peu tous cuits par la température. C'est ça. C'est compliqué, mais... On va prendre route, beaucoup de chemin. Ouais. Beaucoup de passages dans les champs. Qui font mal aux... Qui font mal aux chevilles, qui font mal aux muscles. Mais bon, on est là pour ça. Ben ouais, on est là pour souffrir. Bon, Fred va finir en marchant. Parce qu'il est cuit, le pauvre. La température, elle est vraiment... caniculaire. C'est cool de croiser des gens qui suivent la chaîne, c'est vraiment sympa. J'ai encore croisé Jean-Marc aussi, je l'avais croisé à Royan. N'hésitez pas, quand vous croisez, franchement venez discuter un peu, c'est vraiment cool. Allez, on y est presque, on va retrouver mes filles pour finir. Allez, avant de terminer cette course, on va remercier les bénévoles qui restent au soleil, même s'ils ont quelques coins d'ombre et la casquette, pendant plus de 2 heures pour nous indiquer la route et nous ravitailler. Un grand, grand merci. Merci. Allez, on y est presque. Il ne reste pas grand-chose. Je vais récupérer mes filles pour faire le tour de piste avec elles. Ça va vite. Ah, t'es trempé. Allez, on y va. Allez. On y va. Allez.
Allez, tu viens avec nous ? Allez, cours ! Tu cours avec nous ? Allez, viens ! Allez, on y va ! Allez ! Tout simplement, les panneaux, afin de se faire un petit peu de place. Allez, les loulous, bravo ! Les podiums protocolaires. Et voilà les athlètes, 1:45, ce semi est fini, très très sympa, fini avec, avec ma grande, parce que la petite voulait pas, elle hurlait, maman, maman. Donc c'est validé en Five Fingers pour un premier semi, très très cool, très très chaud. Allez, on se retrouve, je sais pas c'est quoi la prochaine compète. Sportez-vous bien les athlètes, à très vite, ciao ciao. I feel like a danger when we survive.